Hello les amis, j'espère que vous avez la forme. On est sur Kena, Bridge of Spirit, et on va, je pense, affronter un boss, une nouvelle fois. Probablement ardu, encore une fois. On commence à avoir l'habitude. Donc où est-ce qu'on est à peu près dans l'histoire là? On est sur la peur de Toshi. Donc on va avoir trois portails à passer. Là on est dans le premier, la peur de Toshi. On est au niveau du fabricant de masques en fait. Je pense qu'un combat de boss va démarrer. Et donc c'est comme ça qu'on va commencer cet épisode. On va voir s'il est dur ou pas. Je pense que oui, ils le sont tous. N'oubliez pas de liker pour voir les prochains épisodes et vous abonner à la chaîne les amis. C'est parti! Il a la classe, donc c'est bien le fabricant de masques. Oh! Wouh! Ok. Ok, il disparaît. Il a pas l'air d'avoir de... Ok. De points faibles pour l'instant. Wow. Ok. Je sais pas c'est quoi. Je sais pas comment on sort de là les amis. Oh, il m'a fait super mal. Je sais pas comment on sort de là. Aïe, aïe, aïe. Wow! Il m'a fait bien mal. Oh non, je suis mort. Ok, bon. Premier essai. Évidemment, c'est un échec. C'est reparti. Deuxième round. Bien sûr, on passe la cinématique. Et comme d'habitude, je veux pas montrer tous les... Je montre... Oui. Il est vicieux lui. Donc j'ai... C'est vraiment là où il m'a fait le plus mal, c'est quand il était en... Ouais ça fait mal aussi. D'accord, ah, la triple attaque elle fait super mal. Bon, bah, j'ai même pas l'impression d'avoir pris de la vie en fait. Ah ouais ça fait trop mal quand il fait ça. Ah j'ai déjà utilisé tous les soins. Ah non c'est pas ça, c'est qu'il me... C'est que j'ai pas d'action droite je pense pour les... J'ai pas compris comment on sort d'ici hein. Vraiment. Allez, nouvel essai. Troisième, il me semble.
fait mal, hein. En plus, on sait pas du tout où il va, ce salaud là. Ah ouais, ça fait trop mal. Hein. Ok. Ah, c'est pas mal ça qu'on puisse lui annuler. D'accord. Ah, faut le toucher quand il fait ça. Ok. Allez, prends ça en pleine poire, toi. Ça lui permet souvent d'arrêter ses dash et tout ça. Merde, c'est pas ça que je voulais faire. Mais ça, j'ai pas compris comment on sort d'ici. Ça fait trop mal en fait après quand ça pète. D'accord, peut-être juste le bouclier mais... Allez. Allez, allez. Allez, allez, on y est presque. Allez, encore une. Il est où? Où elle est? On l'a eu. Troisième fois, ça va. Bon, je peux pas dire qu'il était simple, vraiment pas. Non, il était pas simple. On a récupéré le chapeau du fabricant de masques, donc c'était le premier boss, donc j'imagine... Oh, niveau 4. Nos rods sont passés niveau 4, les amis. Les rods peuvent désormais effectuer une action de plus. Ok, c'est génial. Je connais Toshi depuis son enfance, je l'ai vu grandir et devenir un chef. Il se faisait profondément du souci pour notre peuple. La perte de tant des nôtres l'a poussé à commettre des actes horribles. Ok.
Donc on a... C'est bien mieux quand c'est libéré comme ça. Hein. Donc on a fait un des trois, une des trois zones. On va dire ça comme ça. J'aimerais... Alors je pourrais me téléporter, aller au direct... ah non, c'est pour méditer, mais oui, je prends. On prend la méditation. On la prend plutôt deux fois qu'une. C'est tellement important. On commence à avoir une verre de vie bien remplie. Ce qui... Bon, je vais pas dire ne change pas grand chose, mais bon, ils te mettent tellement de dégâts les boss que... Disons que des fois t'as l'impression de pas avoir de vie du tout, hein, soyons clairs. Tu veux pas rentrer dans la maison là? Ah, on pourrait se téléporter, on pourrait se téléporter. En revanche, j'ai envie de terminer cette... terminer cette zone en fait. Est-ce que je tombe si je saute? C'est possible. Ah, alors ça c'est ça c'est incroyable quand même. Je suis à 2 mètres du sol. Et elle se fait mal en fait. Je comprends pas. Mais c'est pas grave. En fait c'est que tu peux pas aller en bas en fait. Tout simplement. Tu n'as pas le droit d'aller en bas. J'ai envie de reparcourir un peu la zone parce que je pense avoir oublié certains trucs. Et comme maintenant la corruption a disparu, n'est-ce pas? On a peut-être accès à d'autres zones, tu vois. Je me demande s'il va y avoir un 2 à ce jeu, parce que clairement moi, cette aventure, je l'aime beaucoup, je ne sais pas comment ça se termine, mais je verrais bien... Alors attends, comment on fait là? Comment je fais pour descendre d'ici là? Donc là, ok, on a les... Ah mais je peux pas en fait. Je peux pas descendre. Ah non, je peux pas. Parce que là en fait, la plante tu l'attrapes quand t'es sur les rochers, quand tu les as tous faits. Donc, à mon avis, tu peux pas. Tu peux pas descendre, t'es obligé de... T'es obligé de... Bah... De partir, en fait. Ok. Ok, bah écoute, c'est pas grave. Hein. Faire le chemin inverse. Repassons par là. C'est pour ça que je voulais descendre directement ici aussi. Hop. Un petit bon. Bah, c'est pas grave, on va prendre le portail. Et on va se rendre au village. Je me demande est-ce qu'on... Attends, je viens de passer devant. Est-ce qu'on y retourne par le bas du coup? Téléporter. Hall du chef de village. Bah non, on va aller là. Hein. Centre du village. Je pense que c'est le mieux à faire. En revanche, je crois que j'ai des courriers d'esprit à livrer. Bon, on va tenter. Parce que des fois, les courriers des esprits, ils te font des petits challenges, tu vois. Donc c'est un peu galère, quoi. est-ce que c'est cette maison? Non. Attends, c'est où? Apparemment, c'est plutôt là. Ici. Ici. Livré. On va redonner vie à cette maison. Ok. Bah donc effectivement, parfois tu livres un courrier des esprits et ça libère direct là. La...
Oh, je l'avais pas vu celui-là. J'avais pas vu que, effectivement, j'ai une action droite en plus parce que j'ai 4 boules en bas. Ça, c'est cool. Par contre, il y a vraiment un truc que je maîtrise pas assez, c'est le... Ça, c'est ça, tu vois. J'aime beaucoup l'arc, par contre j'arrive pas trop à maîtriser le marteau de Roth. Ah, donc là on a une plante qu'on peut sauver. Oh, c'est beau, c'est beau. On a vu des petits bateaux là. On va aller là. Alors attends, si on a pu se TP ici, c'est pour une raison, je pense. C'est pas juste comme ça. On peut aller sur cette plateforme, attends, c'est bizarre. Je dois manquer un truc là. Je dois manquer un truc. Déjà on va récupérer ce petit coffre vite fait là. Voilà. Mais pourquoi il nous fait aller là? Attends, je vais mettre mon masque. Ah, il y a des petits pas de Roth. Mais ça va où? Ah, dans l'eau? Ah, il est juste là. Ok, d'accord, je savais qu'il y avait un truc. Ah ouais, il était ultra bien caché. Et sans le masque, j'aurais jamais trouvé, hein, franchement. Salut toi. Ah, c'est un chapeau, d'accord, ok. Chapeau de pêche. 67. Et après, c'est 100. Et je crois que 100, c'est le max. Là, il en faut encore pas mal. 100, c'est quand tu les as vraiment tous trouvés. Allez, on récupère tout ça. Mangez, mangez! Allez-y, faites-vous plaisir! Oh! Qu'il y a des trucs cachés ici, c'est pas possible. Il y a, c'est, en fait, c'est grand de ouf. Je suis sûr qu'il y a des, je suis sûr qu'il y a des trucs cachés, mais. Faudrait fouiller un peu plus. Ok. Là, il y a un autre portail. D'accord, ok. C'est l'autre portail, effectivement, pour faire l'autre mission. Tiens, est-ce qu'on se ferait pas ce petit coffre là? Ah, j'aime pas celui-là. En plus, avec des mages. En une minute. Oh, et puis il se regagne de la vie en plus. Il reste 57 secondes. Secondes. Ça peut le faire. Tu
pense que ça va le faire. Ouais, c'est bon. Je déteste les mages, vraiment, ils me saoulent les mages, ils sont chiants à se soigner et tout. Oh là là, à disparaître, à soigner, à t'envoyer des ennemis. Ils sont trop chiants. Est-ce que je suis allé par là? Bon là, j'explore un petit peu. Non, ça c'est une autre... je pense que c'est une autre... Un autre courrier des esprits à livrer. Du coup, on a gagné combien de en libérant? 425, c'est pas mal. Est-ce qu'on peut améliorer quelque chose? Le bouclier? Oui, on peut. Magnifique. Et bah vas-y. On améliore le bouclier niveau max, du coup. Il me restera encore la charge parfaite. La bombe à un panier de rot, ça peut être pas mal. Et les doubles bombes qui aussi peuvent être assez cool, je pense. Tiens, là, on a un petit cristal à taper. Donc on est comment là sur la carte? On a un autre courrier des esprits à livrer ici. Bon, j'en profite pour faire ça parce que finalement dans cet épisode, le truc principal c'était le boss fabricant de masques. Et donc je pense que dans le prochain on va commencer une autre zone et j'ai pas envie de la commencer maintenant. Tiens, qu'est-ce que ça fait si je fais ça? Ok, on récupère des... Oh, mais il y a un petit rot en plus qui était caché là. Vas-y. En vrai, ça va tellement être dur de tous les trouver. Là, normalement, on peut faire germer les plantations avec, avec une larme. Que j'ai oublié un truc là-haut, non? Ouais, là, il y a bien un... 5200 cristaux, ok. Ah, c'est vraiment une zone que j'ai pas trop explorée, il y a même un coffre là, facile à avoir. Avec... Oh, il est trop stylé ce chapeau. Chapeau de chien. Il est génial. Par là, qu'est-ce qu'on a? Un coffre, ok. Donc ça vaut le coup d'explorer quand même, rien que pour... pour améliorer Kena, hein, quand tu récupères des points d'esprit là, je sais pas comment ça s'appelle, ce qui permet de l'améliorer. On est comment là sur la carte? Ah, c'est de l'autre côté le... Normalement ici il devrait y avoir une larme des... Une larme d'esprit là pour pouvoir faire tout fleurir. Mais je ne sais pas où elle se trouve. Même pour enlever... On a quoi? Oh! Bien caché. Même pour libérer ça là d'ailleurs. Ah mais elle est là. Là elle est juste là. Alors attends du coup... Oui là on a un... On a un hibou qui est là. Ah il est stylé hein. Il est de plus en plus gros. On va aller... Attends. Là il y a des trucs déjà à faire pousser. Ah oui en plus tu récupères des points d'esprit à chaque fois quoi. Et ensuite... On va aller... En général, il y a soit un chapeau, soit des cristaux, bah, des trucs cool quoi. Voilà, c'est pas mal.
des cristaux du coup. Là on a tout fait pousser par contre. Ah la statue, je sais pas du tout où est-ce qu'il faut la mettre. Et lui, si je fais faire tout le tour du coup. Est-ce qu'on a le temps? Je pense qu'on a le temps. Ouais. Allez, vas-y. Voilà, c'est bon. Et là aussi. On a 3. Il ne reste pas beaucoup de temps, mais je crois pas qu'on puisse... Donc il y a une petite statue d'oiseau, mais je sais pas du tout où est-ce qu'on peut la mettre. Et en même temps, j'ai un vague souvenir d'emplacement. Oh, je sais plus. Vraiment, je ne sais plus. Ah, on a une autre ici en plus. Donc ça fait 2. Ça fait 2. Putain, elles sont vachement bien cachées, hein, franchement. Attends, c'est pas... Attends, il y en a une troisième ici. Attends, bah du coup, j'ai trouvé les 3. Il faut absolument que je trouve où c'est. Parce que normalement, t'en as que 3. Ça s'ouvre pas. D'habitude c'est pas très loin, mais là vraiment ah là du coup je vois pas. Donc là c'est la deuxième. Où est la troisième quoi? Enfin, où est l'emplacement? En fait ça peut être à trop d'endroits différents. Bon, écoutez les amis, je vais chercher de mon côté, c'est pas le plus important ça. On va se retrouver dans le prochain épisode, on va continuer l'aventure. Je compte sur vous pour liker la vidéo et vous abonner bien sûr si vous voulez voir la suite des aventures de Kenna. Je vous fais des bisous, à très bientôt, ciao ciao.